reparti pour la 39e édition du rallye Le Béthunois, un événement toujours très attendu ici. Et vous voyez, les pilotes sont en route pour la première étape qui va débuter du côté de Olin, où donc se déroule cette première étape. Pour la deuxième étape, ce sera du côté du bas pays, un peu Vieille Chapelle, Locon, La Couture, Montbernonchon, Inge encore. On sera sur toutes ces spéciales et on vous montrera les plus belles images, et c'est à découvrir tout de suite. We'll be right back.
actuellement sur le rallye de Béthune, ici la deuxième spéciale de l'étape 2 du côté de Hinche, c'est rue de Merville. Il y a eu un accident il y a quelques minutes ici, une voiture qui a fait plusieurs tonneaux, vous l'avez vu, elle est sèchement abîmée quand même, vous voyez sur nos images. Et nous avons pu interviewer le pilote, écouter, il nous parle de cet accident. Donc on arrive à fond de 6, à peu près à 170, et puis il y avait une légère bosse et la voiture au freinage elle est partie en travers, et comme la chaussée est très étroite avec fossé à droite, fossé à gauche, on n'a rien pu faire, quoi. Donc elle est partie dans le fossé, on a fait 3-4 tonneaux et puis ça s'est terminé au milieu de la route, quoi. Donc voilà, mais nous ça va, et le copilote aux soins, et bon, l'auto malheureusement je pense qu'on ne va pas pouvoir la récupérer, donc ça sera une autre aventure dans plusieurs années je pense qui va s'écouler, voilà. Ça arrive, hein, de toute façon on prend des risques, hein, c'est le sport automobile, et mais là, là ça tapait fort, quoi. Bah, c'est une voiture qui va beaucoup plus vite que celle qu'on avait avant, donc obligatoirement quand ça part à des vitesses comme ça élevées, on peut rien faire, quoi. Une fois qu'on était là, on était sur le toit, donc à l'envers, en priorité on coupe la batterie pour qu'il y ait un début d'incendie, et puis on se détache et puis on sort, comme il y avait de l'essence qui coulait en plus, donc on traîne pas, quoi. On sort le plus vite.